Salut les amis, aujourd'hui 5e rallye After Taf, on est avec Renault et aujourd'hui en électrique. Pour l'instant on est parti, on se chauffe dans les sur une petite route là, dans les petits hameaux là, c'est super joli avant de prendre la piste. Donc pour l'instant j'ai pas allumé encore le moteur. On roule tranquillou. Allez, on a récupéré la terre. Et c'est parti. Pour se faire plaisir et décompresser encore une fois. Allez, là c'est un petit sentier vallonné, ça monte, ça descendouille un petit peu tranquillou, histoire de se chauffer. Alors, je fais pas trop le con parce que c'est le vélo à mon père, j'ai pas vérifié les suspensions, comme un con j'ai pas pris la pompe et j'ai pas l'impression qu'il y ait de l'air dans la morteau arrière, donc je l'ai bloqué pour rouler, mais on va y aller tranquillou pour rien péter. Quand tu pars à l'arrache avec un vélo qui est pas à toi, j'arrive même pas à l'allumer. Ah, putain. Bordel de merde. Allez, c'est reparti. On a appelé la hotline assistance. On a réussi à le démarrer. C'est qui le counasse qui a mis un petit bouton sur le côté de la manette? Ah putain. Bon, ça va mieux du coup. Parce que monter en VAE sans assistance avec un plateau je sais pas combien de vent, ça a piqué sévère. Là je suis en écho et ça va mieux. Hein? Moi j'ai pas besoin, il n'y a pas d'air dedans. D'ailleurs on va pas faire le con, parce que comme je vous dis à chaque fois dans les vidéos de checker votre vélo avant de partir. Chose que je n'ai pas faite, c'est pas mon vélo. Et arrivé sur place, pas d'air dans l'amortisseur arrière, la fourche bof bof bof. Donc pas faire le con quoi. Pour pas passer tout au travers au vélo à papa. Hein. Et c'est ma faute. Allez, échange de monture. Un single bien sympa en montant. En plus on est là à l'ombre et un petit air frais, on est bien les amis, on est très bien même si ça monte. Ah ouais. C'est cool là, on peut piloter un petit peu entre les arbres. Allez. Allez, vous qui regardez ça, franchement c'est pas reposant, ça fait pas du bien. Allez, première descente digne de ce nom. Alors toujours avec parcimonie. Oh. Ça descend. Ah ouais, il n'y a pas de selle télescopique non plus dessus. Oh, c'est bon, impeccable. Le fait qu'il y ait la batterie, j'ai l'impression, enfin le moteur, ça a tendance à moins se lever, tu vois. Malgré que j'ai la tige de selle en haut, j'ai l'impression qu'il se lève moins qu'avec le mien.
Renaud qui arrive, je sais pas ce qu'il a ce soir, il doit pas être en forme, il me suit pas. Je comprends pas. Vive le VAE! Ouais, c'est clair. Oh. Allez, ça descend. Ah ouais, y a pas de sel télescopique non plus dessus. Oh, c'est bon, impeccable. On est parti apparemment dans une petite descente technique. Ça tombe bien, on peut pas baisser la selle, on n'a pas d'amortisseur. On est bon quoi. Ah ouais. Les freins aussi, ça laisse à désirer. Ouais, joli Renaud. Oh. Ah, dommage. Ouais, c'est là, c'est parce que t'as mal fait le virage. C'est le virage qui t'a bloqué parce que t'étais bon, hein, t'as fait le plus dur là. Ouais, non, mais là c'est Mario là aussi. Hein. Là c'est Mario là. Là je te dis, je le passe rarement, rarement en entier, il est Mario là. Donc je disais, il n'y a que le virage qu'on n'a pas fait. Deuxième partie, c'est passé sur le vélo. Malgré qu'on soit pas à l'aise dessus. Tranquille Bilou. Hein. Tranquillou Bilou. Ah, c'est pas fini. Piu, 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 piu. Oh, je regrette mon Rocky là. Je me serais régalé là. Je pense qu'avec le Rocky, je l'aurais tenté. Avec la selle en bas, ça aurait été plus simple. On va se finir la journée de travail avec une trace au caleçon. Hein. Mais où il m'a emmené Renaud? Oh. Je vous rappelle que j'ai pas d'amorto hein, derrière. Je l'ai mis tout bloqué parce qu'il n'y a pas d'air dedans. Ah c'est génial. Très blanche là. Ouais. Tu le prends tout en freinage. C'est génial. Excellent. Ah, elle est bien cette petite là. Ah ouais, franchement. Un régal. Ah oh, pour finir ça là, c'est génial. Bon ben voilà, petit ride after t'as fini avec Renaud. Un régal, 2 heures. On a fait 21 km, 500 mètres de dénivelé à peu près et ça fait du bien. Et puis moi en Rolls Royce, en petit VAE, pratiquement fait tout en mode éco, mais bon ça a forcé quand même un petit peu. Allez, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.